des biens de rêve. Quand on évoque l'immobilier de charme, l'immobilier de caractère, qu'est-ce que cela vous inspire, tous les deux, Patrice ? Alors, vous avez dit trois mots pour me présenter. Vous avez dit édifice, caractère et singulier. Ce sont trois mots, j'ai mis 10 ans à les trouver pour caractériser mon activité, qui est aussi la vôtre d'ailleurs, je dis la mienne, mais c'est une agence comme moi. Et en fait, un édifice de caractère, c'est un tout petit bureau en pierre, donc une architecture très vernaculaire, accroché à une montagne dans le centre de la France. Et puis, c'est le plus gros château privé français. Et édifice de caractère, ça couvre tout ce panel d'édifices. Donc de 1 euro symbolique, parce que je fais des transactions à 1 euro symbolique, aux plus grosses transactions, je viens d'en faire une, je n'ai pas le droit de trop en parler, au-delà de 50 millions d'euros, donc ça fait des transactions qui sont quand même... Gares, oui. Voilà, et tout ça, ce sont des édifices de caractère, selon nos critères, qui sont en général les critères de tous les Français. Voilà. Cyril. Tout à fait. C'est une position que je partage pleinement, bien évidemment. Moi, j'y associerai une thématique, c'est la notion de cachet aussi. Je pense que c'est un élément très important. Alors, ça va aussi de pair souvent avec une connotation architecturale. On associe cela également aussi à des volumes, hein, parfois, bien évidemment. Et puis, je pense que la notion d'ambiance et d'environnement est aussi un élément clé dans tout cela, et de préservation des matériaux d'époque, comme l'a très justement précisé mon homologue, c'est effectivement un lieu, une âme, un charme, une histoire, tout un ensemble d'éléments qui vont définir cette notion et qui vont aussi créer ce qu'on appelle la notion de coup de cœur ou d'achat et du fait de tomber amoureux d'un lieu.